c'est une formule adaptée à notre temps. Les gens du peuple doivent pouvoir exprimer ce qu'ils pensent. Au moins, c'est le reflet de l'électeur, du particulier. Beaucoup plus que quand le candidat est désigné par un bureau ou comme ça se faisait auparavant. Comme ça, au moins, il y a un candidat pour la gauche, il n'y aura pas une dilution des voix au moment du vote. Les primaires, c'est choisir peut-être le futur président de la République. Je trouve que c'est bien qu'on puisse choisir son candidat, puisque c'est la première fois qu'on le fait.